Bonjour les amis. La parole de, de cette semaine, le premier texte, euh, commence avec un, un moment agréable, fort agréable. Je pourrais même dire très réjouissant de, de la première communauté des chrétiennes. Je vous lis juste le début. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem. Il chercha à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui. Alors, c'est le moment où, où Paul cherche à adhérer à la communauté chrétienne. Euh, Pourquoi que tous ont peur de lui? Ben, j'imagine que vous le savez. Euh, il s'est spécialisé euh, euh, à, dans la persécution des chrétiens, puis euh, il, il les faisait tuer. Et puis, sa réputation était très connue dans la communauté chrétienne parce que ça avait été des moments euh, très difficiles Rappelez-vous, euh, euh, au moment qu'Étienne euh, a été lapidé, on est allé déposer les vêtements de ce jeune homme aux pieds de Paul qui était dans l'assemblée et qui se réjouissait de l'événement. Alors, euh, euh, mais tous avaient peur de lui car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Nous aussi, ça nous arrive de penser qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être disciples du Christ. Qu on, on, on les a mis là dans l'incrédulité puis euh, l'athéisme pour le reste de leur vie. Alors, euh, et, euh, alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres. Je ne sais pas si vous mesurez euh, la force qu'avait notre ami Barnabé de, de, de faire ça, hein, de, 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 de prendre sur lui, de présenter Paul à toute la communauté. Et de raconter l'histoire de Paul, mais raconter cette partie de l'histoire de Paul, c'est de raconter aussi l'histoire de Jésus. Jésus après sa résurrection, qui, qui va ra raconter, rencontrer Paul. Paul l'a pas vu de, de il n'a pas touché à Jésus là de, de, de son vivant là. Il n'était pas croyant, il était juif, pharisien, et il euh, donc Jésus le rencontre, le rencontre, excusez, et, euh, et il lui parle, hein, et vous le savez. Alors, dès lors, Paul, Saul, allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. C'est un peu mêlant, c'est en genre d'une confusion, mais c est, c est, elle n'est éclairée que par l'action de Dieu, de Jésus sur les routes humaines, sur les nôtres, sur celles de Paul et sur celles de cette communauté. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais sur si cherchait à le supprimer. Alors voilà, il va rencontrer la même opposition que lui-même a fait quand il n'était pas croyant. Et, euh, et, et alors on dit « les frères euh, l'apprirent, alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée » Et le firent partir pour Tarse. Alors c'est pour ça qu'il qu a fait le voyage pour éviter hein, d'être tué. Alors l'Église était en paix dans toute la Judée. Bon, ça allait bien là, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait et elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Alors voyez-vous, nous avons les conditions de la croissance et du développement de l'Église. Dans ce premier texte, alors, euh, ça ne veut pas dire que parce que ça se multiplie puis que ça se développe, qu'il y a la paix au milieu du monde. Hein. La deuxième parole, toujours avec Jean, mes enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Tellement plus facile de parler de la boue que de que de l'incarner en actes, et en vérité. En agissant ici, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Parce que la vérité, c'est l'amour. Hein? Tout ce qui n'est pas amour, c'est le mensonge. C'est pas vrai. C'est pas authentique. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Vous savez, souvent, nous, on, on décide d'avoir le cœur en paix devant les hommes, mais ça trouble tellement notre cœur devant Dieu. Alors, pour retrouver la paix du cœur, <laughs> Il faut s'ajuster par rapport à Dieu et non pas par rapport aux hommes. Mais bien aimé, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Mais euh, si notre cœur nous, nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est extraordinaire. Retenez ça, ça. Ils sont en train de nous dire que Dieu ne nous accuse jamais. C'est pas Dieu qui nous accuse. Et quand dans notre cœur, il y a l'accusation, ben ça devient de l'adversaire. Ça vient pas de Dieu. Alors, ah, voici son commandement. « Avoir la foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Alors, Jean, tout son évangile, va nous parler abondamment de l'amour. Absolument pas celle qu'on nous parle dans les films ou dans les... Non. Il va nous parler d'un amour vrai, authentique qui demande d'être en acte. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Alors, n'oublions pas que nous sommes pleins de l'Esprit du Seigneur. Et dans l'Évangile de ce, de ce dimanche, on va nous parler, Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Euh, dans ce texte, tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. C'est pas parce qu'il nous aime pas. C'est pas parce qu'il veut pas le bien de la vigne, parce qu'il veut le bien de la vigne. Alors il enlève ce qui la sèche, ce, ce qui, qui, qui l'empêche de porter du fruit. Alors pillez pas pressé. Mais il est déterminé, hein? puis essayez de vous rappeler les moments de votre vie là où il y a, il y a des, des bouts là qui ont été sectionnés, hein? ça a parti. Et là il dit euh, et il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous déjà vous voici net et purifié grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Moi quand je me lève le matin la première chose que je demande au Seigneur, c'est de me brancher sur Lui. Parce que c'est incroyable comment on peut être branché toutes sortes de choses, mais pas sur Lui. Puis comment qu'on est envahi par toutes sortes de, de, de pensées. Alors, tout au long de la journée, je demande la grâce de ne pas sortir de Dieu. Puis de rester en Lui. De même que le serment ne peut pas de, porter de fruits par lui-même. Ah, oh, ça, c'est reposant, ça, cette phrase-là. Hein? Moi, je peux recevoir les gens, là. Qui, qui viennent d'ailleurs, puis qui sont dans des situations impossibles, puis puis je me sens même pas obligé d'avoir la solution à leurs problèmes. Je me sens appelé, par contre, à être en lien avec eux et de marcher avec eux vers cette présence de Dieu qui est authentique, réelle et concrète chaque jour. Si vous ne demeurez pas en moi. Hein, euh, vous pourrez pas porter de fruits. C'est ça qu'il nous dit. Souvent, enfin, les gens me ben, disent, mais... pas possible, ça, d'être célibataire. C'est hmm. ben, autant possible d'être célibataire que d'être marié. Mais pour être marié, et en acte, et en vérité, c'est aussi difficile que d'être célibataire en acte et en vérité. Et ce que je demande au Seigneur pour mon célibat, c'est la fécondité. Parce que ce qui fait qu'on assume avec joie l'état dans lequel le Seigneur nous place, c'est de voir que notre état nous permet d'être fécond, de donner la vie de recevoir la vie, de donner la vie, de développer la vie. Alors si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un serment, serment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent, ce qui leur permet d'apporter euh, une sangle qui va être très utile pour la fécondité. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Essayez ça. <laughs> Essayez ça. C'est incroyable. Hein? incroyable. Je pense que je vais terminer en disant une de mes amies ce dimanche est venue me compter ce qu'elle avait vécu dans la semaine. Et puis, je vous compte juste un tout petit bout. Euh, elle était sur l'autoroute, il y avait des gens qui avaient du, un problème, elle a voulu arrêter. Puis finalement, elle a fini par sauter le à du, du, puis elle s'est retrouvée euh, son auto euh, euh, sur le toit, les quatre roues en l'air, <laughs> euh, et là, elle a dit au Seigneur ceci, euh, « Seigneur, sois avec moi. » Et là, tout à coup, il y a une femme qui s'est approchée de, de, de la voiture, elle, elle lui a dit, « Je suis médecin. » Et je suis avec vous. <laughs> Sois avec moi. Et la fin de l'histoire, c'est qu'elle a eu zéro blessure, elle a eu absolument rien, mais elle me comptait la joie de son accident. <laughs> Alors, tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Seigneur, fais que nous soyons d'excellents porteurs de fruits par la grâce de ton esprit. Amen.